Liberté! 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 Et vérité! Liberté! 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 Liberté! Vérité! Emmanuel Macron, aux têtes de con, on vient te chercher chez toi. Ce n'est pas un vaccin. Démonte un sens. Ah, messieurs, dames, tout va bien, vous avez voté Macron. Achetez de la vaseline en grande quantité. Vous allez voir, après les législatives, vous allez pleurer, messieurs, dames. Vous êtes des centaines là, vous allez pleurer quand vous allez enterrer vos proches à coups de Pfizer. Vous allez voir, messieurs, dames. Bravo à vous. C'est vous qui allez pleurer entre les injections que vous préparez, que Macron va aspirer. Vous penserez aux militants. Respect à vous. Vous allez pleurer, messieurs, dames. Allez, vous citoyens, allez en masse, manifestons en masse, que le peuple se soulève. Résistance, liberté, résistance, liberté, résistance. Amis, entendu les cris sourds du pays qu'on enchaîne. L'OTAN est un instrument de l'Empire américain. Nous ne sommes pas américains. Nous sommes français. Thank you.
Ah bon? Ah, oh. Jupiter. Jupiter n'est pas sur Terre. Elle est passée où votre âme, messieurs? Elle est au c'est, êtes... eh, c'est pour ça que vous êtes incarnés, là? Hein? Pour soumettre vos citoyens, c'est ça? Ah ouais, Marilyn, il va aller avec un camion parce qu'elle a osé prendre. On l'attend parce qu'on ne peut pas la laisser comme ça, hein, si on l'a arrêtée. Donc elle m'a dit qu'elle l'avait arrêtée. C'est par rapport au fait que sur la frontière, il y a une fusion de la République qui est en train d'Asie. Vous pouvez comprendre que ça se passe. C'est quoi? C'est interdit. Mais moi, je peux l'assumer à la limite de la pancarte. On assume. Ça ne marche pas comme ça, malheureusement. Et moi, en tout cas, je répète, on a un criminel qui est au pouvoir, il a piqué nos anciens Henri Vautril, on a un tyran qui enclenche des lois liberticides, on est tous concernés, messieurs, dames, uniforme ou pas, on est tous concernés, on est tous dans la merde, on va prendre cher pendant des années, et là, vous arrêtez une manifestante tout à fait pacifique, parce qu'elle a la gueule déterrée d'un tyran. Vous voyez, je suis vulgaire, vous pouvez m'arrêter. Oui, on a un criminel au pouvoir. Oui, vous pouvez on m'arrêter. A un criminel. Je dirai devant le juge, il a piqué nos anciens Henri Vautril. Il nous tue à coups de Pfizer. Vous voyez, vous pouvez m'arrêter si vous voulez m'interpeller. Oui, on a un tyran. On a un tyran et on a sa Brigitte qui gagne un SMIC par jour. Tout est lié, on a une marionnette, on a des marionnettistes qui ont parachuté hein, ce dictateur. Et oui, je l'assume, il faut appeler un chat un chat. On va prendre tous cher, policiers, vous ou nous, on va prendre très cher. On va prendre très cher aujourd'hui. Et voilà, aujourd'hui on ne peut même plus manifester avec la gueule d'un tyran qui s'appelle Emmanuel Macron. Je ne comprends plus, voilà, il faut assumer. Je peux prendre la place de madame, ça ne me fait pas. Il faut assumer son rôle. Je veux que tu dis ça parce que les pancartes, c'est... On lâche rien. Non, je ne suis pas responsable. D'autres personnes ont imprimé des pancartes. Je ne suis pas assumé, non. Je suis déclarant. La police, c'est elle qui est responsable parce qu'elle a brandi. Ben, c'est elle, oui, mais bon, c'est moi. Allez, je vais dire que c'est moi qui les ai fabriqués à la limite. Cette nuit, on combat, on lâche rien. J'ai une imprimerie chez moi, quoi, voilà. C'est moi qui les ai fabriqués. Donc c'est moi le méchant. Je dois aller face à un juge, il le faut, mais pas cette dame qui a la gueule du tyran, encore une fois. Donc moi, je veux bien être embarqué. Donc voilà, c'est nous tous, pourquoi pas. On est dans la... Ouais, moi, je suis en train de faire embarquer, allez-y, embarquez-moi. Ouais, mais il n'y a plus de place en tôle. Il n'y a plus de place en tôle. Alors moi, j'ai proposé qu'on relâche cette femme et qu'on vienne m'embarquer, car je portais la pancarte, messieurs, dames. C'est pas moi qui l'ai imprimé, mais peu importe, personne ne saura qui a imprimé la pancarte. Mais je suis venu avec. Alors s'il y a un coupable, c'est moi, messieurs, dames. Messieurs les policiers, relâchez s'il vous plaît cette femme, embarquez-moi, condamnez-moi. Mais il n'y a pas de problème, il y a la gueule de déterré du tyran Macron. Macron a piqué nos anciens Henri Vautril. Il y a des dizaines de milliers de morts face à injection. Le coupable, c'est moi, messieurs, dames. Embarquez-nous si vous voulez, messieurs dames. Embarquez-nous. Messieurs dames, rappelez-vous, il y a trois ans, on a pris plein la gueule parce que il y a eu des pavés, il y a eu des débordements physiques, il y a eu des manifs sauvages, il y a eu des poubelles, etc. Aujourd'hui, on est parti, il y avait deux collègues en civil. Il n'y a aucun débordement et il n'y aura jamais aucun débordement. On a un parcours, un point A, on va jusqu'au point B. J'ai signé un récépissé et le récépissé, nous sommes contrairement au tyran Macron le criminel qui lui ne respecte pas ses engagements. Ce serait hypocrite d'augmenter l'âge de la retraite compte tenu du nombre de chômeurs. Ce tyran enclenché 49.3, nous on respecte notre engagement. Aucun débordement. On a juste la gueule du tyran Macron, celui qui a été réélu pour 5 ans, voire 16 ans. Messieurs les policiers, messieurs les gendarmes,
Tout le peuple, je m'adresse à vous, on va prendre cher. Je vous demande s'il vous plaît de me regarder dans les yeux, messieurs les policiers. Vous avez un conjoint, vous avez des enfants, on va les piquer à la rentrée. Nous sommes des Français, Françaises. S'il te plaît. On va prendre cher, messieurs, dames. Mon message est sincère. Allez voir la NSM, votre vigilance. Des dizaines de milliers de victimes face injection. Qu'est-ce qu'on fait de mal à dénoncer la vérité? Aujourd'hui, on se fait arrêter comme un criminel, comme une personne qui ne respecte pas une loi. On est quai de Valmy, conformément récépissé, messieurs, dames. La vérité, elle est là. On ne peut pas vous en vouloir. Vous avez des ordres là-haut. L'homme qui a dit il y a 2 ans n'est pas dans le même camp et une femme qui est parmi nous. Monsieur l'Allemand, on n'est pas dans le même camp, effectivement. Monsieur l'Allemand était parachuté par Chiron Macron, effectivement. Mais moi, je l'assume. Si une personne doit être arrêtée, c'est moi, messieurs, dames. Le méchant loup, c'est pas nous. C'est pas nous qui vous empoisonnons. C'est Macron, derrière le nouvel ordre mondial. Et toute cette franc-maçonnerie, s'il vous plaît, du bon sens, messieurs, dames. Nous ne sommes pas responsables, nous avons tous une famille. Ça fait 3 ans et demi que nous battons le pavé, 3 ans et demi qu'on dénonce des vérités. Alors quand il y a un débordement, on peut comprendre. Quand il y a un manque de respect envers vous, on peut comprendre. Quoique parfois, la colère peut être légitime. Mais là, on a la gueule du Macron qui a fait son check. Il y a 5 ans, il était derrière une pyramide. Et encore, semaine dernière, il était encore une pyramide. Ça sent la franc-mac, tout ça. Hein. Ça pue, messieurs les policiers. Pyramide sur pyramide. Je sais pas du quel côté on va finir, mais sous la pyramide, il y a un trou. Et si on continue, on va être enterré. On va être enterré à coup de Pfizer ou à coup d'autre chose. Demain, le chèque alimentaire, messieurs les policiers. Demain, la monnaie numérique, messieurs les policiers. Demain, le crédit social, messieurs. Dames, pour ne pas oublier les femmes policières. Il semble que vous avez fait un travail, vous avez prêté serment pour arrêter les criminels, mais pas les gentils citoyens qui demandent que la vérité. On demande que la vérité et cette liberté, cette souveraineté, messieurs, dames. Aujourd'hui, avec l'Union européenne, on est emprisonnés. Les criminels, les tyrans, les voyous, ce ne sont pas nous. Pour travailler dans la fonction publique, messieurs, dames, comme vous, il faut un casier judiciaire vierge. Mais pour être au Conseil constitutionnel, on peut avoir du sang qui coule, ça coule à flot. Monsieur Fabius, ça vous parle tout ça? Le sang contaminé, messieurs, dames. Toutes ces crapules, qui ont fait des fausses factures, des fausses, plein de choses, qui ont des condamnations. Et pour travailler dans une mairie, vous faut un casier judiciaire vierge pour faire votre travail. Plus on est là-haut et plus on peut être crapule, messieurs, dames. Du bon sens, notre citoyenne interpellée est une personne qui veut juste la vérité et la liberté. Voilà, merci de votre attention. Réfléchissez bien, messieurs, dames. Nous sommes pacifiques. Que vous le vouliez ou non, vous êtes complice d'un criminel. Et pour ça, vous le ferez. C'est pour ça qu'on prend vos photos sur les vidéos. On prend vos visages. Vous obéissez aux ordres. Vous avez 2 articles. Qui peuvent vous empêcher d'obéir aux ordres débiles, aux ordres illégaux. Vous obéissez aux ordres. En 42 aussi, ils ont obéi aux ordres. Alors, vos petits copains. Résultat, 42, 12 000 juifs au four. Bravo, vous obéissez bien aux ordres. Bravo les gars. Chapeau. Hein. Vous êtes vraiment honorable. Dans le micro. Attends, Dan. Non, donne. Un humain, c'est un humain. Que ce soit un policier ou un civil. Les amis, notre camarade a été embarqué, elle est partie. On ne va pas rester là, on ne va pas embêter ces policiers qui malheureusement ont des ordres illégaux complètement à d'interpeller quelque chose. Donc
Voilà, on va dire, on va respecter ces gens, on va reprendre notre parcours, s'il vous plaît. C'est pas la peine de faire des débordements. Ce serait inutile, contre-productif. Et les grands médias, justement, profiteraient de récupérer des belles vidéos de nos bons médias indépendants qui sont au cœur de l'information pour les déformer. Regardez les queues, comment ils sont violents envers les policiers. Non, mais si on n'est pas violent et on vous respecte, c'est là-haut, c'est la dictature. Ce sont des tyrans qui ne nous respectent plus. Voilà. On va repartir. Oui, moi j'ai connu une police qui faisait son métier il y a quelques décennies. Une police qui avait des renseignements généraux. Et là, on se demande ce qu'ils font parce qu'on vous voit harnacher, là, en tenue de maintien de l'ordre. Alors que vous avez devant vous une petite centaine de personnes inoffensives. Et on a l'impression qu'on est là pour menacer la paix sociale, ce qui est le contraire. Et on croit rêver lorsqu'on vous voit, là. Vous avez interpellé une de nos camarades qui n'a fait que caricaturer un chef d'État ô combien caricatural. Vous devriez avoir honte, messieurs, d'être là au service de ce Gauleiter de Macron, Gauleiter du Nouvel Ordre Mondial, et de l'Obersturmbannführer, leader allemand. Vous devriez avoir honte d'avoir accepté la transformation en milice de la police nationale, de la police antinationale. Je vous le dis, moi, j'ai été policier moi-même, officier de police, il y a quelques années. Eh bien, j'ai honte pour vous. Moi, j'ai juste un truc à dire. J'ai juste un truc à dire. Je vois dans leurs yeux qu'ils n'en ont rien à faire. Ils n'en ont rien à foutre de ce qui se passe. Vous inquiétez pas, moi aussi, j'en ai rien à foutre. Parce que cette 5e République va aller au fond du trou. Il n'y a plus de ressources. Pour aller plus loin, ce capitaliste va aller au fond du trou. Et qui paye leur salaire, ce système capitaliste qui va s'effondrer? Moi, j'en ai rien à foutre. Eux, ils auront peut-être leur casque, mais moi, j'aurai l'opin de terre qui me nourrira. C'est pas leur casque et leur bâton qui les nourrira demain. Donc s'ils viendront me voir demain pour me dire « Ouais, j'ai besoin de patates », ben, je dirais « Bah écoute, il fallait être du bon côté, au bon moment. » Merci. Chez toi, Emmanuel Macron, aux têtes de con, on vient te chercher chez toi. Voilà le régime de Macron. Quelqu'un m'a dit des gens à la rue. Ils sont relâchés. Il est pas relâché. Ça, c'est le régime de Macron. On va tous finir comme ça. La promesse de Macron, et c'est ce que ça change, et c'est ce que ça change. Macron,
liberté, résistance, libérez notre camarade, libérez notre camarade. Elle n'a rien fait. Oh, ça va. Ça montre bien la dictature de la Macronie. La Macronie. Macronie en l'argent. La Macronie, c'est dégueulasse. 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 La limite, des limites là, tu traces une ligne avec les yeux de l'université. Excusez-moi là. Oh, excusez-moi, j'ai...